Packers sont les nouveaux champions de la Super League. Champions de la Super League. Il est normal que ce soit Shakes qui soulève le trophée. C'est sa frappe de balle qui a décroché la coupe. Il est énorme. Strikers rêvent s'ils croient qu'ils ont une chance de gagner la Super League. Nous allons les écraser. Donc, vous allez suivre leur match contre Hydra aujourd'hui? Absolument. Ce sont les derniers mots des tanks de fer. C'est le grand jour. Ça, c'est un drôle de rêve, amigo. Tu peux pas t'enlever le titre de Super League de la tête, hein? T'as raison. Un autre but, peut-être? Hydra semble avoir oublié où est le but des Super Strikers. On peut dire que le jeu collectif des Strikers s'est amélioré au fil des matchs cette saison. Tout comme le nôtre. Voyez comme chaque joueur semble savoir où les autres vont aller. Une énorme pression pèse sur la défense. Ha! Deux attaquants face au gardien. Je parie sur l'attaque. 3-0 pour Super Strikers. Shakes et El Matador forment une sacrée équipe. Un jeu d'enfant. Monsieur, j'y vois plus rien. C'est quoi ça? Ça, c'est une paire de... sumo. Ils jouent bien. C'est vrai qu'ils sont en forme. Nous allons les écraser. Ça, c'est certain. Nous sommes les tanks de fer. Oh. Oui. Vous êtes les prochains, les amis. Olé! Oh, je crois que El Matador lance un défi. Oui, je suis sûr qu'il est le seul Super Striker assez fou pour se réjouir de la rencontre à venir avec la formation la plus dangereuse de la Super League, les Tanks de Fer. Oh. Bravo, les garçons. Ça se présente bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quant à votre petite célébration sur le terrain, ce genre de fierté se paye généralement d'une belle gamelle. Prochaine étape, les tanks de fer. Professeur? La machine est prête, coach. Excellent. Mais les tanks de fer demeurent invaincus cette saison. Il semble bien parti pour le titre une nouvelle fois. Mais non, mais non, non, mais ça va, c'est pas, ridicule. Non, n'importe. Jamais de la vie. À mon avis, tu sens bizarre. Et c'est pour ça que tu restes collé devant ta caméra et que t'as pas d'amis. Ça suffit, on y est. L'Institut technologique du fitness. Ouh, j'aurais peut-être un massage. C'est ici qu'on s'entraîne pour le match contre les tanks? Ton entraînement a commencé en arrivant chez les Super Strikers. Et c'est à partir d'ici qu'il va passer à l'étape supérieure. Désormais, nous travaillerons avec une machine qui renforcera la puissance de l'effectif avant le match contre les tanks. Le match maître. Hein? Qu'est-ce que c'est? Professeur? Le match maître enregistre vos signes vitaux. Masse musculaire, adresse, force, vitesse. Il les compare alors à ceux de votre adversaire direct chez les tanks et calcule un programme d'entraînement pour vous mettre physiquement au niveau. Votre programme poussera votre corps à ses limites. Et sans blessure. Vous êtes sérieux? Ce truc fonctionne vraiment? Bien sûr! C'est génial! Brillant! Ça marche. Notre équipe a forcément des points faibles et je n'en veux plus aucun. Bloc.
Tu passes en premier. Chex, tu seras le dernier aujourd'hui. C'est le dernier de l'équipe. Intéressant. Je déteste les abdos. On peut pas les refiler à quelqu'un d'autre. Coach? Je suis plutôt conquis par cette technologie. Mais ce programme a tout faux avec toi, Chex. Tout faux? Mais pourquoi ça? Il est trop dur, Chex. Je ne veux pas de blessés dans l'équipe première. Mais... Garde ton programme habituel, ce sera mieux. Apprendre, retenir et agir. Comment voulez-vous que je me sente intégré dans l'équipe? Ça brûle! Ah, ça brûle! Les gars? Préparez-vous pour la seconde partie importante du programme. Laquelle? Se reposer? On va visionner le match des tanks contre Invincible United. Vous vous rappelez d'eux? Ouais. C'est sur ce match qu'on évaluera nos chances contre les tanks. C'est le jour du match. J'espère que l'équipe qui reçoit est prête à affronter les surpuissants tanks de fer. On dirait que quelqu'un est venu demander quelques trucs au maestro pour arrêter les tanks en pleine action. Hey! La semaine prochaine, c'est toi qui seras à la place de Skara. Voyons à quelle sauce l'Invincible United va manger ses visiteurs. Quoi que ce soit, j'espère pour eux que c'est chaud. Ça va laisser des traces. Ce qui nous fait 3-0 pour les tanks de fer à quelques minutes de la fin. Hein? Vous n'apprendrez jamais, hein? Il est bienvenu, cet entraînement supplémentaire, non? Ça, c'était très moche. Vous avez vu de quoi les tanks étaient capables. Mais quelle que soit leur qualité, vous serez prêts. Vous êtes en train de former une vraie équipe. Personne ne peut rien contre ça. Mettons-nous au travail. Ah!
Comment est la vue depuis là-haut, Shex? Magnifique. Hubert ne va rien comprendre. D'après ce que dit mon programme, je dois augmenter l'intensité aujourd'hui. Pas de problème. Maintenant, mon programme me dit de monter encore d'un cran. Professeur ? Oh, coach, petite chose. Shakes ne doit pas utiliser ce programme. Soyez tranquille, professeur. Je ne l'ai pas mis sur ce programme. Ah, bien, bien. Il pourrait se blesser gravement si on lui donnait un entraînement inadapté. Je sais, professeur. Je sais. Les gars, demain, c'est le grand jour, contre un sacré adversaire. Fiez-vous à votre entraînement. Jouez collectif. Et il se peut que vous puissiez embrasser la coupe de la Super League. La coupe? Je croyais que c'était un trophée. Ah, oh, man. À 3, 1, 2, 3, Super Strikers! La préparation du sommet tant attendu de la Super League est en cours à Strikerland. J'espère que les Super Strikers seront bien reposés. Les deux camps doivent aligner leurs meilleurs joueurs dans ce combat à mort. Ils veulent rester en lice dans la compétition reine. Ah! Ah! Oh, ma jambe! Oh. Espérons que les joueurs vont faire le vide et se reposer ce soir. Que le meilleur gagne! Oh. Jour de match à Strikerland. Pour une rencontre, à n'en pas douter, très physique. Je n'ai jamais ressenti une telle atmosphère. Qui va gagner le match? Je n'en sais rien. Si nous ne gagnons pas ce soir, on peut dire adieu à la Super League. Où est Shex? Shex! Waouh! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne peux pas y croire. Coach, je peux jouer. Mais... coach! Shex, va tout de suite chez le docteur. Et vois ce qu'elle peut faire pour ta jambe, mec. Et les voici. Enfin, presque tous. Mais pourquoi Klaus démarre-t-il aux côtés d'El Matador? Où est Shex? Hein? Incroyable. Les Super Strikers et les Tanks de Fer se rendent coup pour coup. Enfin, presque. Je craignais Shex en attaque. Mais toi? Et qui a dit que je voulais marquer, hein? Les Super Strikers ouvrent le score. Oh. Hey. Et voilà Shex, il rentre enfin sur le terrain. Mais attendez, il porte une genouillère? Mais comment va-t-il pouvoir affronter les tanks? Coach, super nouvelle! Je peux jouer au moins 15 minutes. Qui a dit que tu allais entrer en jeu? Quoi? Mais coach, il faut qu'on marque si on... Tu m'as désobéi. Tu t'es servi du programme. Tu as fait passer tes envies avant l'équipe. Assieds-toi.
Oh là là, Hubert envoie à nouveau voler Klaus. Shakes pourra-t-il faire la différence pour les Super Strikers? En tout cas, les tanks musellent vraiment les Super Strikers depuis le premier but. Les Strikers supportent bien le choc, cependant. Tout à fait, oui. Je me demande s'ils n'ont pas reçu un entraînement sur mesure, Mac. On dirait qu'il a été touché par la foudre. Et contrairement aux idées reçues, la foudre peut effectivement tomber deux fois au même endroit. Thor assène un coup de marteau et égalise pour les tanks. Coach, je peux le faire. Faites-moi entrer et je marquerai. Je capture. Je caresse. Hein? Hein? Oh. Ah. On est vraiment dans une impasse. Faites entrer Shex pour débloquer la situation pour les hommes en rouge. Shex, qu'est-ce que tu attends? Entre sur le terrain. Oui, coach. Shex va rentrer. Nous l'avions prédit, pas vrai? Il était temps que tu rentres. Tu ne pouvais pas tenir 90 minutes, hein? J'aime les défis. Je comprends pourquoi tu étais sur le banc, petit. Il paraît que notre équipe a des points faibles. Tu savais? Allons prouver que Hubert est leur point faible, man. Heureusement qu'il me reste mes bras. Quel but énorme! Énorme! Je n'en crois pas mes yeux! Je vous l'ai dit, faire entrer Shake, c'était la meilleure chose à faire. Vous me l'aviez dit. Les Super Strikers ont créé l'exploit. Voilà qui met fin à la campagne des tanks cette saison. Mon genou va déjà mieux. Pourquoi le coach a-t-il changé d'avis à propos de moi? Parce que même si tu ne pouvais pas jouer longtemps, il fallait qu'on soit tous ensemble sur la pelouse. Au moins pour quelques minutes. Bon sang, je vous ai vraiment fait faux bond. J'ai pris de ces risques. Tu as eu de la chance cette fois. Mais à l'avenir, quand je donne un ordre, tu m'obéis. Shakes, tu as de la chance que coach t'aime bien. Malheureusement, nous, on n'est pas aussi cool que le coach. Hein? T'es de corvée de laisser pour une semaine. Ok, les gars. Vous êtes prêts à mouiller le maillot?
Tu vas t'éclater, Blotch! Moi et ma planche, on a déjà surfé des vagues bien plus grosses, on n'a jamais eu aucun problème! Ah, alors c'est qu'un poids lourd a dû rouler sur ta planche dans ce cas. D'accord, c'est vrai. Peut-être qu'on s'est viandé deux ou trois fois. Mais faut pas flipper! On est les défenseurs des Super Strikers! Vous voyez, ensemble, rien ne peut nous arrêter. Nous en sommes à 88 minutes de jeu et nous avons droit à un match époustouflant. Blanc, surveille l'aile gauche. Très belle réception et joli pas de danse de North Shore. Il essaye de trouver Shakes pour lui envoyer la balle. Et une victoire de plus à l'actif des Strikers. Comment faites-vous pour enchaîner succès sur succès? C'est exactement comme quand on est face à une vague. On se donne à fond, on reste concentré et toujours rester cool, même sous la pression. Ah, qu'est-ce qu'il peut bien y connaître à la pression, ce blaireau? T'en fais pas. On va s'attacher à faire sortir tout l'air de cette espèce de baudruche. Vous vous êtes bien battu contre Nakama. Ses attaquants sont parmi les meilleurs et vous avez fait face. Mais Hydra va certainement vous donner beaucoup plus de fil à retordre. Leur foot sous haute pression est venu à bout d'un grand nombre des meilleures défenses de la Super League. Ah, pitié! Il y a sûrement plus de pression dans les brassards de bain de Klaus que dans ce gars. Y'a, la dernière fois que j'en ai explosé un, j'ai failli m'évanouir. N'empêche, j'ai vu Hydra faire couler un paquet d'excellentes équipes. C'est exact. Soyez sur vos gardes, ou nous serons les prochains. Regardez un peu la pression que les Hydra ont fait peser sur Lingan. Hydra ferme toutes les ouvertures et bloque toute possibilité de passe, et pousse les défenseurs à commettre des erreurs fatales. Ces gars-là doivent faire des heures de fitness pour réussir à faire ce qu'ils font. Leur endurance est extrêmement impressionnante. Mais notre défense est tout à fait capable d'y faire face, eh bien, pas vrai, coach? Bloc est le meilleur tackleur de la ligue. Eagle Eye peut repérer un danger à 1 km. Vous avez de la salade coincée entre les dents. Merci. Maintenant, c'est notre pilier. C'est son jeu de liaison en milieu de terrain qui nous permet de nous soulager de la pression. Eh, puisqu'on parle de pression, les gars, visez-moi ça! Un courant de basse pression fonce tout droit sur le stade flottant. J'ai l'impression que c'est pas très rassurant. C'est que le stade tout entier pourrait couler. Ouais, englouti d'un bloc par la plus grosse, la plus méchante vague que vous avez jamais vue. Wouhou! On m'a assuré que le stade flottant était parfaitement capable de supporter le plus violent des orages. Oui, je suis le maître du monde. J'aime avoir le vent dans les cheveux, le bon air iodé qui me chatouille les narines. Les mouettes perchées sur nos têtes. Envoie ça, sale petit oiseau. On dirait que tu as une nouvelle fan, El Matador. Si elle voulait avoir une mèche de mes cheveux, il fallait qu'elle paie pour ça, comme tous mes autres fans. Mais qu'est-ce qu'une mouette ferait au beau milieu de l'océan, man? Regardez. Il m'impressionne toujours autant à chaque fois, ce stade flottant. Waouh! North, le stade est de ce côté. North? Les gars, je crois que North a un petit problème. Peut-être qu'il a été hypnotisé? Ou remplacé par une statue de cire? C'est pire que ça. L'appel du surf. Écoutez cette vague. Elle proclame sa toute-puissance à tous ceux qui osent s'approcher d'elle. Sa surface brille comme un miroir, qui nous renvoie l'image de notre insignifiance aux yeux de l'univers. Ça, c'est le couloir du paradis, les amis! Oh, 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 oh! Même pas en rêve, North. Je n'ai pas envie que mon homme clé risque de se blesser avant le match. Mais on fait un essai tube! Désolé, North. Pas de rouleau aujourd'hui. Mais que dirais-tu de quelques cônes? Oh! C'est pas cool, coach! Vous êtes prêts, les gars? Mon pote! On est nés pour être prêts! Alors, on arrive! Bon travail, North! Merci, coach! Jouez comme ça pendant le match et ce seront les Hydras qui seront sous pression. Dégage de ma vague, loser! Non! North Shore me semble en forme. En très grande forme. Ça craint. Ça va nous obliger à revoir toute notre tactique. Ça va être quoi ton plan, Liquido?
C'est facile. On va le pousser à se noyer. Ah. Mec, cette défense ou haute pression m'a tué. Comment ils font les Hydra pour tenir 90 minutes? Qu'est-ce que ça peut faire mal? On a l'homme qu'il nous faut pour se le faire sur la victoire. S'il te plaît, là, Rasta. Mec, c'est pas cool de me rappeler ce que je vais rater. T'en fais pas, man. Il y aura encore tout plein de vagues à surfer une fois que le match sera fini. Regardez un peu qui vient nous accueillir. Regardez-moi un peu les terreurs qu'on a là. J'espère que vous avez pensé à porter vos brassards gonflables. Yeah, bien sûr. Ils sont dans mon sac. Arrête de te la jouer, Liquido, sérieusement. Visiblement, t'aimes bien faire remuer tes lèvres. Mais tu dois avoir l'habitude à force de remuer tes petites nageoires de poisson clown neurasthéniques. Oh non, ça, y a peu de ça chance. Ça pas de sel, sachant que ça vient d'un type qui a autant de charisme qu'un blobfish paraplégique. Rassurez-moi, les gars, je suis pas le seul à rien comprendre. Non, mais c'est dommage parce que ça a l'air très amusant. Pourquoi tu viendrais pas dans mon bureau? Pour une réunion de travail? Avec plaisir. No show. Tu as promis au coach que tu te tiendrais à l'écart de l'eau. Ouais, tu vas être un petit garçon bien sage, tout mignon, qui écoute son coach. Va te faire voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Tu ferais mieux de l'ignorer, North. Yeah, d'autant que c'est lui qui a une tête de poisson clown paraplégique. Ou est-ce que c'est pas plutôt de blobfish neurasthénique? Ouais, North. Dis-toi que tu es notre porte-bonheur. Regarde, le sas d'entrée porte ton numéro. On doit se calmer et se concentrer sur le match. Pour l'instant, on se détend. Le surf, ça attendra. Mais moi, c'est en faisant du surf que j'arrive à me détendre. Hé, hey, est-ce que vous sauriez où est... Regarde. Hé, hey, les mecs, vous croyez vraiment que j'ai attrapé quelque chose ici? Tu cherches du mauvais côté du fil, mon frère. Vous, espèce de sale petite voleuse de pantalon, reviens tout de suite, ou alors j'appelle la police. Les gars, il y a une chose que je dois absolument... Quoi? On peut dire que la police est très rapide ici. Nous nous apprêtons à subir une très forte houle. Assurez-vous que vous êtes au complet et dirigez-vous vers les sas de sécurité les plus proches. Les sas de sécurité? Ça a l'air sérieux. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont annuler la rencontre? Non. Il semblerait que ce ne soit rien d'autre que la procédure habituelle. Assurons-nous simplement que tout le monde est là. C'est ce que je me tue à essayer de vous dire depuis tout à l'heure. Je n'ai pas vu North Shore de la matinée. T'en fais pas, man. Je suis sûr que North est déjà à l'intérieur à se la couler douce. Puis le rendez-vous. Il est temps de passer à la phase 2. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, je suis vraiment désolé, je t'avais pas vu. Oh, non, ça va pas. C'est ma tête, je te signale, sale bestiole. Si jamais je mets la main sur Liquido, il va voir de quel bois je me... Oh non, le match. Il faut vite que je tourne. Où est le stade? Wow. Je crois que mes wow ne changeront rien à l'affaire. On peut dire qu'on a vécu pas mal d'aventures surprenantes, mais celle-là nous amène carrément à un niveau inédit. Ouais, en dessous du niveau de la mer. D'aucuns disent que le fond des océans est l'endroit le plus calme qui soit par temps d'orage. Enfin, jusqu'à ce que le match commence. En parlant du match, est-ce que quelqu'un a réussi à trouver North? On a trouvé ça dans la chambre de North, coach. Attendez! Non, mais est-ce que vous voulez dire que... Je suis un gros nul. Tout le monde comptait sur moi et moi, je les laisse tomber. Tu dois être sacrément triste, toi aussi. J'imagine que ton nid se trouve là-dessous. C'est sûrement pour ça que tu voulais nicher dans mes cheveux. Mais t'as sacrément raison. Je peux pas abandonner aussi facilement. Même s'il faut bien reconnaître que c'est super profond. Tu crois que je peux y arriver?
Mais ouais, t'as raison, t'es la meilleure, toi. Toi. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas garder ma planche jusqu'à ce que je revienne, ok? Enfin, si je reviens. Messieurs, j'ai fait tout ce qu'il m'était possible. Le stade restera immergé pendant toute la durée du match. Oh, nein! Quoi? Blablabla! Non, tu ne peux pas dire ça, mon frère. S'il y a quelqu'un qui peut tenir bon seul face à l'océan, c'est North Shore. Mais toute notre tactique de jeu tourne autour de lui. Grease, tu te sens d'attaque? 100% en couche. Tant mieux, parce que tu seras titulaire aujourd'hui. Aujourd'hui, Hydra rencontre les Super Strikers et nous sommes en direct du stade de... Du stade sous-marin. J'ai déjà vu des matchs se jouer sous la flotte, Brenda, mais là, ça dépasse l'entendement. Une autre chose qui dépasse l'entendement, c'est de constater que le coach a sélectionné Grease comme pivot central de leur défense à la place de North. Il paraît que vous avez un de vos hommes resté là-haut. Ah ouais? Et on peut savoir ce qui te fait dire ça au juste? Hey, j'ai essayé de lui faire comprendre que le surf s'était réservé aux pros. Des bouteilles d'oxygène? Pourquoi faire? Oh, oh, oh! Un terrain de football subaquatique? Ça, c'est ce que j'appelle du foot sous haute pression! C'est comme si on jouait au ralenti! Oh! C'est carrément d'enfer! C'est géant, mais! C'est carrément super crevant! Ça doit être comme ça que les Hydras s'entraînent à l'endurance. Une minute? Hydra, le match! Il faut que je leur fasse savoir que je suis revenu! Que le match se joue et les Hydra semblent mener la danse, Brenda. Les Strikers semblent n'être que l'ombre d'eux-mêmes pour le moment. Quel tir incroyable! Et un non moins incroyable arrêt de Big Bo en arrêtant. Les défenseurs, les Strikers ne sont pas ni à la pression des grands fonds de guerre. Maintenant, c'est plus que jamais, les fans des Super Strikers doivent se demander où est North Shore. Oh, c'est pas vrai! Ils sont à la peine, on dirait! Hydra prend la tête sur un but époustouflant de Liquido! Les Super Strikers sont déboussolés quand ils n'ont pas leur nom. Je rêve, ils sont en train de nous écraser comme... Comme une cape géante! Les Super Strikers ont du mal à refaire surface sans Norme Chaud pour assurer la cohésion défensive. On peut le dire, Max. Sans ce pont essentiel entre la défense et attaque, ils ont la tête sous l'eau. Incroyable! Le capitaine des Hydra marque un deuxième but d'une manière absolument exceptionnelle. Je suis mal. En cas d'attaque de pieuvre géante, appuyez sur le bouton rouge. Nous arrivons à la mi-temps, Max. Et les Super Strikers ne voient plus simplement la... Le beau Grease, tu vas très bien. Oh, regardez! Là-haut, North est poursuivi par une pieuvre géante. Ok, peut-être que tu vas pas si bien que ça.
Il est vivant, oui. Mais plus pour longtemps. Il faut qu'on fasse quelque chose. Génial, ils m'ont vu. Il n'aura jamais fallu qu'une pieuvre gigantesque et un propulseur subaquatique ultra-moderne pour ça. Hé, ça vient de me donner une idée. C'est exactement comme Twisting Tiger avait dit. Le numéro 8, ça porte bonheur. Je crois qu'il a dit que le sas numéro 8. Vous inquiétez pas, je vous suis, les gars. C'est pas vraiment la queue que je m'attendais à avoir, les mecs. Attention! Là, je suis mal. Cette saleté veut essayer de m'étouffer, on dirait bien. Je crois que la solution, c'est d'arrêter de respirer. La seconde mi-temps est sur le point de démarrer, mais il semble y avoir un léger problème du côté des Super Strikers. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment mon meilleur défenseur a pu s'évanouir comme ça dans les airs? Pas dans les airs, les amis! Dans l'eau! North Shore! Alors, non, mec! Je suis tellement content de te voir! J'ai le mal de mer, c'est une horreur! Ok, ça va, Gris, je suis là. Comment il a fait pour revenir jusqu'ici? Aucune importance, on mène 2-0. Il ne peut plus rien faire maintenant. La seconde période démarre sur les chapeaux de roue et la défense des Strikers reprend enfin vie. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire entrer North Shore? Qui peut bien savoir ce qui se passe dans la tête des coachs, Brenda? Mais avec une équipe menée 2-0, North va devoir lâcher les chevaux pour elle. Heureux de te revoir parmi nous, North. J'espère que t'es plus doué pour le foot que tu l'es pour le surf. Liquido, tu as fait exprès de me faire tomber pour que je rate ce match. C'est juste une fausse manœuvre, c'est tout. Ça, c'est pour m'avoir volé ma vague. Et ça, c'est pour Shake. Posé sur le terrain et North Shore semble déjà aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau. Nous sommes peut-être au fond de l'océan, mais ce jeu-là nous parvient tout bonnement d'une autre dimension. Olé ! Je ne l'en crois pas, mes yeux ! À moins de 2 minutes, les Super Strikers viennent de revenir au sol. C'est tout, les gars. Il est encore trop tôt pour baisser la garde. Je crois que j'ai une idée sympa, mais pour ça, faudrait qu'on puisse reproduire certaines habitudes de la faune locale. Qui veut qu'on voit les shorts des draps? J'adore l'idée. Il ne parle pas des mouettes, il parle des pieuvres. Les gars, vous êtes prêts à retourner mettre un bon coup de pression sur l'hydra? Ouais, 1, 2, 3, Super Strikers! Eh bien, je crois qu'on peut sans problème affirmer que les Super Strikers nous préparent une petite surprise. Je n'avais jamais vu les hommes du coach organiser une défense aussi massive. J'imagine que les effets de la pression commencent à se faire sentir. Trouillard, à mon signal, tout le monde charge. Il est temps de vous renvoyer vous rhabiller. Hydra lance une charge de plus en plus massive, mais les Super Strikers ne bougent pas d'un poil. Je suis là, mec. On t'a réservé une attaque en mode pieux. Et une passe en mode mouette en kékineuse. C'est pas 2 bras qui suffiront à m'impressionner, mon pote. Parce que je viens à peine de me battre contre 8. Ouais, quelle extraordinaire performance de Bob Lapchon. Et quelle remontée magistrale de Super Striker. Tu vois, North?
Tu auras vraiment laissé ton empreinte chez les Hydras. Dans leur mémoire et aussi sur leur stade. Ça me fait plaisir que ma nouvelle amie ait pu se trouver une nouvelle maison. Alors tu veux dire que cette mouette était de notre côté depuis le début? Mais quel noble, quel majestueux animal, je... Oh. Attends que je t'attrape. Tu vas voir quand je t'aurai échappé, je ferai une tarte à la mouette. Waouh, quel suspense! Et il ne reste plus qu'une poignée de secondes avant la fin de la compétition Super League 3000X ici, à la Convention internationale du jeu vidéo. Et tandis que les scores restent très serrés et que la partie touche à sa fin, qui sera le grand vainqueur? Je suis Zack de Faucon, Frank Nixon-Bergstrom ou Axe Fiss? Non, pas cette fois, Von Linsenberg-Strom. C'est... Mesdames et messieurs les avatars, nous avons un gagnant et il s'agit de Hack Smith. Hack, tout le monde sait après quoi vous courriez ici. La récompense ultime a accompagné votre véritable équipe préférée de Super League lors de sa prochaine rencontre et vous serez l'un d'entre eux. Alors, Hack, quelle équipe allez-vous choisir? Eh bien, je crois que les heureux élus seront les... Super Strikers. Mais où est donc notre coach Meister? Je l'ai jamais vu en retard. Surtout qu'il nous répète encore, et encore, et encore! Et toujours à quel point le prochain match est capital! C'est parti, c'est parti! Et Matador, comment il a marqué son but en finale de la Super League l'an dernier? Et à Big Bo de me dire comment il s'entraîne et à chaque... Mais... Ne le perdez surtout pas! Votre billet pour le match se trouve à l'intérieur. Oh. Les gars, je vous présente le nouveau membre de l'équipe. Hack. Hé, oh. Hey, salut, comment ça va? Salut, ça va? Le champion du jeu vidéo. Bienvenue à bord, mec. Maître Ouragiri. Notre préparation pour le match des Super Strikers se passe bien. Maître, je suis certain que vous ne serez pas déçu par notre... La confiance en soi est une très bonne chose, Mikochen. Mais avec les Super Strikers et leur coach, rien n'est acquis. Redoublez d'efforts. Maître Ouragiri. Être confiant, c'est très bien. Mais être sûr, c'est mieux. Hé, hey, Shaix, tu veux jouer à la Super League 3000X? Je te laisse un but d'avance, ça te va, Shaix? Ça te va? Je joue déjà en Super League, mec. La vraie Super League, ok? Celle où de vrais joueurs se disputent le contrôle du ballon. Ouais, mais bon, dans la vraie vie, vous allez avoir de gros problèmes, mec. Nakama est l'équipe qui monte en ce moment, et ils vont vous accueillir avec un truc du genre « Hey, Super Strikers, ça vous dit une petite défaite ?» Espèce de sale petit... Nakama est en effet devenu redoutable, notamment en usant de tactiques inédites. Vous devez garder les yeux et les oreilles ouverts. L'inspiration peut parfois vous venir par des voies inattendues. J'ai joué tellement de fois contre Nakama, tellement de fois, et j'ai jamais terminé le niveau final. Ils ont une phase de jeu qui vous met à genoux. Et moi j'étais là, gauche, droite, puis rouge, tout en restant sur X, mais ça n'a pas suffi. Hack, nous avons un très important match à disputer. Alors du calme. Ah, mais je le sais déjà. Je vais vous dire. Oh, attendez, faut que je sauvegarde. Donc, comme je vous disais, Nakama, ils sont... Ouais! Je me rends directement au centre d'entraînement. Reste bien tranquille à l'hôtel et après ce sera l'heure de s'entraîner. Regarde comme il fait beau, muchacho. Ce garçon, il ne pense à rien d'autre. Si c'est bien vrai, mec, dans pas longtemps, il sera plus capable de faire la différence entre le jeu virtuel et le vrai jeu.
Super League 3000X est la console de jeu la plus aboutie de sa génération. Ouais. Les attitudes de chaque joueur ont été reprises par le biais du motion capture. Il faut Tandis que les stratégies des équipes proviennent du visionnage de milliers de matchs. Vous voyez, il y a tout, c'est absolument génial. Vous devriez l'essayer. Oh, super. C'est pas pour ça que je suis venu ici. Ça ne ressemble pas au coach. Ouais. On peut pas s'entraîner toute la journée sans connaître la stratégie du coach pour affronter Nakama. Il n'a pas dit qu'il venait directement ici? Et il nous a même pas envoyé de message. Hein? Ça vient du coach. Salut à tous, je suis parti à la pêche à la ligne. Je ne sais pas, je viendrai peut-être pour voir le match, peut-être pas. On verra bien. Ça ressemble pas à un message du coach, hein? Je crois qu'on ferait mieux d'appeler la police, man. J'ai envie de jouer à un jeu, coach. Mais pas de jouer au football. Je parle d'un autre jeu. Qui êtes-vous? Non. C'est pas vous qui posez les questions, coach. C'est moi, le chef, ici. Ok. Mais vous êtes le chef de quoi, au juste? De plein de choses. La stratégie du coach pour ce match est l'un des sujets sportifs les plus débattus du moment. Sa science et sa maîtrise tactique seront la principale arme dont disposeront les Super Strikers contre Nakama. Tout ça serait super méga extra cool si le coach n'était pas aux abonnés absents. Oh, c'est comme jouer les yeux bandés, les gars. En signe de respect, peut-être qu'on devrait déclarer forfait. La police a mis ses meilleurs hommes sur cette affaire. On va jouer ce match pour le coach et on va le gagner. Hack domine Nakama. Hack domine Nakama. Hein? Ok, et alors? Où est Hack? Shakes, man. Hack n'est plus là. Quoi? Comment tu le sais? Son petit maudit. Je vous quitte et je ne reviendrai pas. Mais il a oublié d'emporter sa console. Peut-être qu'il était pressé. On n'a pas fait grand-chose pour l'aider à s'intégrer, Shakes, man. Pourquoi est-ce que tout d'un coup tu veux que Haxan revienne? Shakes? Je crois qu'il a son idée sur la manière de gagner le match contre Nakama. Je veux jouer à un jeu, coach. À quel jeu voulez-vous jouer? Le jeu du « je te vois » serait pas mal. Je te vois, je te vois, je te vois. Toi dont le nom commence par... Où? Non, où? Où? Ouragiri! Attendez, je ne suis pas Ouragiri. Oh, meilleur coach du monde. Ouragiri, tu dois vraiment me laisser partir. Non, c'est... si j'étais Ouragiri... Tu deviens vraiment lourd, Ouragiri. Ok, j'ai changé d'avis. Je m'en vais. Amusez-vous bien. Adieu, coach. Hey, reviens, Ouragiri. Laisse-moi sortir. Ah, mon frère, tu me fais ressembler à un clown. J'ai une réputation à défendre, moi. Pourquoi tu me fais ça à moi et à mon joli visage? Checksmeister, à quoi ça rime tout ça? Il me faut juste un peu de temps pour maîtriser ça. Comment ça va nous aider à battre Nakama, Shakesmon? Si j'arrive à passer ce niveau, je crois que je peux trouver ce que Nakama nous réserve pour demain. Gauche, gauche, rouge, triangle, zéro, vert, droite, vert, X. Pour les Super Strikers. Comme vous dites, Mac. Ouais. Ces tactiques, ces phases de jeu, elles ont l'air tellement réelles. Nakama a du souci à se faire. Comme vous dites, Mac.
But pour les Super Strikers. Comme vous dites, je peux battre Nakama. Je peux battre Nakama. Ouais. Vous avez passé le niveau 1. Les Super Strikers accèdent au niveau 2 sur 250. Oh 250 niveaux. Oh, on doit trouver Hack. Mais comment? Hein? Mec, t'as passé toute la nuit à jouer sur ta console? Je suis choqué par ce comportement si peu respectueux de l'équipe. Je viens de comprendre. Hack a passé les 250 niveaux contre Nakama. Il connaît toutes leurs tactiques. Si on le retrouve, on a une vraie chance. Mais c'est pas le moment. Je crois que le coach a des ennuis. Ce matin, j'ai reçu ceci. Nous avons une conférence de presse ce matin. Nous y lancerons un appel à témoins. Waouh, cette ville est chouette. Il y a peut-être d'autres chouettes endroits. Il y a peut-être tout un monde à explorer. En dehors du jeu. Ma console! C'est jour de match. Hélas, en l'absence du coach des Super Strikers. C'est Uragiri qui joue sans opposition aujourd'hui. Allez, allez! Hack a dû recevoir mon message. Surveillez-les bien. Nous devons essayer d'anticiper leur jeu, mes frères. On joue à guichet fermé. Le Nakama Stadium peut contenir 70 000 spectateurs. Et pourtant, les chiffres montrent une fréquentation de 69 999 personnes. Qui serait assez bête pour ne pas assister à un tel match alors qu'il a un billet? J'arrive pas à croire que j'ai oublié ma console. Ils ont pas intérêt à l'avoir touchée. Oh, ils l'ont touchée. Et ils n'ont pas gardé ma place. Honte à vous, Super Strikers. De bien vouloir contacter les autorités aussi vite que possible. Quoi? Merci à tous. Ce sera... Je voudrais juste dire à mon ami Hack que je suis désolé de ce qui s'est passé pendant le... Enfin, que je suis désolé pour tout. Et s'il te plaît, reviens vite. J'ai joué à ton jeu et je crois qu'il pourrait... Vous l'avez entendu? Sale moment que ceux que traversent les Super Strikers avant ce rendez-vous crucial... Ils ont besoin de moi. ...contre un Nakama complètement transfiguré. Mais quel espoir les Super Strikers peuvent-ils nourrir en l'absence de leur célèbre coach? Il est temps de jouer au football. Pour de vrai. Nakama a beaucoup impressionné les observateurs dernièrement. Voyons quelle parade les Super Strikers ont imaginé. Sans leur coach, ils ne sauront jamais à quoi s'attendre. Waouh! Sans le coach, on est complètement perdu, Captain. Quelle facilité déconcertante! But! Et un! Et deux! Et 2-0! J'ai pas perdu la main après tout ce temps. Oh, mec, il nous faut le coach. Hein? Hein? Hack, t'es revenu. Salut les gars. Salut à toi, joueur fou. Hack, tu vas être notre coach. Toi seul peux nous dire ce que Nakama est sur le point de jouer. Tu vois, Hack, tu as un ami aussi fou que toi. Il est resté toute la nuit sur ta console. Jakes, Hack est juste un gamin frangin. C'est vrai, man. C'est vrai que c'est un champion. Mais virtuellement.
J'ai joué à Super League 3000X. Tu peux me croire. Hack, c'est exactement tout ce qu'il y a à savoir sur la tactique de Nakama. Exactement comme le coach. Rappelez-vous des mots du coach. L'inspiration peut venir de la façon la plus inattendue. Oh, j'espère de tout cœur que tu as raison, Shakes. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que Nakama réserve ses tactiques les plus tordues pour les périodes les plus difficiles. Plus vous les malmenez, plus dur sera leur jeu. Wow, mon garçon, comment tu sais tout ça? En fait, c'est comme les niveaux sur Super League 3000X. Maintenant, souvenez-vous, si vous égalisez en deuxième mi-temps, ils vont vraiment vous tomber dessus. Et pas qu'un peu, ils vous feront le Bushido standard. Un, deux, trois, Super Strikers! 11. Condition de jeu. Eddie Nakamura. 124 pas. 17%. Vitesse du vent. Kenzo Honda. 22. Vitesse. Taux de réussite sur coup franc. Ah ah! Kojiao, le milieu de terrain gaucher. Je vous tiens! Oh, oh! Quel but! Ah, ils se sont bien ressaisis! Ce gamin, hein? Qui l'eût cru? C'est quoi qui est cru, hein? Superbe travail des hommes en rouge. Ouais. Mais qui est ce mini coach? Les Super Strikers veulent la bagarre, et bien ils vont l'avoir. Bushido standard. Oui. Ne croyez pas que vous pouvez vous relâcher. Nakama est sur le point d'élever sérieusement son niveau de jeu et de mettre en place une tactique à laquelle vous auriez dû vous préparer dès votre arrivée ici. D'accord, mais bon, on fait quoi? En fait, c'est simple. Il faut faire gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Ok. Et tu peux traduire ça en bon français, gamin? Gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Twisted Tiger a failli prendre tout le monde de vitesse. On s'approche dangereusement du but des Super Strikers. Nakama se regroupe dans la surface. Serait-ce le moment de vérité pour Nakama? En tout cas, ils ont bien surpris les Super Strikers sur cette action. Gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Shakes reprend le ballon et lance la contre-attaque. Ouais. Nakama redescend en ordre dispersé. Même si personne n'aurait parié sur eux, les Super Strikers réalisent tout de même une sacrée deuxième mi-temps. But! Les Super Strikers remportent la victoire! On a gagné, on a gagné! Mais comment est-ce possible? Ok, t'as fait du super boulot, gamin. Super bien joué, mon frérot. Merci, Hackman. Tu as l'étoffe d'un futur grand coach. Coach! Mais où est-il passé? Hein? Coach! Mais vous étiez caché où, bon sang? Le Bushido standard! Comment avez-vous fait pour contrer cette attaque? L'inspiration vient parfois de manière vraiment inattendue. Hello? Coach, est-il vrai que vous avez subi le traumatisme d'un enlèvement aujourd'hui? Je peux avoir mon téléphone. Votre téléphone? Pourquoi je l'aurai, coach? I'm finally here. Vous avez mis le thème des Super Strikers comme sonnerie? Le thème des Super Strikers est très populaire au Japon. Je vais laisser ma boîte vocale prendre le message. Ici le coach, vous savez quoi faire. La voix du coach est aussi très populaire comme message d'accueil.
Ah.